Hello. Bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à cette nouvelle session de Spotlight. Je suis très ravie, je suis très heureuse vraiment, comme tous les dimanches, de me connecter à vous. Vraiment, bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent déjà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Francine Akiémé. Je suis l'animatrice de cette émission Spotlight. Spotlight, c'est une émission qui est axée sur l'entrepreneuriat. Et tous les dimanches, nous sommes là pour partager la connaissance. Pour partager la connaissance. Donc, chaque dimanche, nous invitons sur notre plateau, nous invitons une personne spéciale qui vient nous parler d'un thème particulier, qui vient partager avec nous son expérience, qui vient partager son parcours entrepreneurial, ses challenges, ses défis. Donc, et voilà. Et aujourd'hui également, nous avons une personne vraiment particulière, une personne vraiment spéciale que j'admire énormément. Je vais l'introduire dans un instant. Welcome à toutes les personnes qui nous suivent pour la première fois. Faites-nous un coucou, dites-nous d'où vous nous suivez. Alors, je fais un rapide coucou aux personnes qui sont déjà connectées. Bonjour Gaïlou, bienvenue à Spotlight, ravi que tu sois là. Hello Kevin, bonsoir, bienvenue. Elondon, donc c'est le nom de mon papa. C'est comme ça, c'est du côté, j'ai l'impression que c'est du côté Fambeti, c'est ça? Parce que c'est un nom qui vient soit du Gabon, soit du Cameroun, du Sud Cameroun, ou de la Guinée même. Et Londres, dis-nous si tu es de cette région-là. Bienvenue à toi, bienvenue, je suis ravie que tu sois là. Hello Estelle, Agnès, Abessolo, bienvenue à toi. Welcome à Spotlight. Marc. Oh, bienvenue Marc Biolo. Je suis très contente que tu sois connecté. Marc, ce sera notre invité de la semaine prochaine. Je suis très heureuse que tu sois là, Marc. Bienvenue à Spotlight. Oh, Nina, hello. Bienvenue à toi également. Merci d'être là, ma chère. Je suis très ravie que tu sois là. Coucou Nathalie Sohou. Bienvenue à Spotlight. Bonjour d'Orléans. Wow, ça c'est. Je suis toujours très contente quand je me rends compte qu'on sort un peu de l'Allemagne, on sort de l'Europe, on se campe partout. Et c'est aussi ça le but avec Spotlight, vraiment de toucher les Africains qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui veulent changer les choses. Et où qu'ils soient, nous sommes toujours vraiment très heureux de pouvoir les toucher où qu'ils soient. Bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens, parmi les gens, parmi vous qui nous regardez, des personnes qui connaissent ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, des personnes qui ont déjà été, qui ont été victimes de ce syndrome? Dites-nous ça en commentaire, ce serait intéressant de savoir. Ah oui, avant de commencer, comme je vous l'ai dit, depuis quelques semaines, on va se livrer un petit exercice. C'est un tout petit exercice, ça ne met pas long, c'est très rapide et ça se fait juste en quelques clics. Donc, en quoi consiste l'exercice? Il s'agit de vous connecter, vous êtes connecté, vous nous regardez, c'est bien, merci d'être là. Vous likez la vidéo, vous la partagez avec vos amis, parce que je pense aussi que déjà pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes, et aussi je me dis que peut-être dans votre entourage, il y a des gens que ce thème pourrait intéresser. Moi, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose que j'ai vécu. Peut-être je suis même toujours victime de ce syndrome. Qui sait? Il faudra que je fasse les tests pour savoir. Mais autour de vous, certainement, il y a quelqu'un qui aimerait entendre ce que Bettina Massora a nous partagé aujourd'hui. Et je vous assure, c'est une dame qui a un parcours exceptionnel et qui est vraiment, je veux dire, à l'entendre, c'est motivant, c'est captivant. Et je pense qu'elle peut vraiment apprendre à plus d'un aujourd'hui, beaucoup de. Eh ben, on va avoir une émission vraiment très édifiante. Donc, je vous prie vraiment, mes amis, partagez autour de vous, invitez vos amis à nous rejoindre et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, que l'émission soit interactive, parce que le but, justement, c'est d'aider, de partager et c'est avec vous qu'on veut partager. Donc, que les gens, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des suggestions,
Sentez-vous libre de les partager avec nous dans les commentaires. Je fais un rapide rappel de notre émission de la semaine dernière, parce que le cadeau est toujours en cours, effectivement. Donc, la semaine dernière, on a parlé du domaine de l'énergie en Allemagne. Et on avait comme invité M. Simplice Dago, qui nous a ouvert les yeux sur certaines opportunités dans le domaine de l'énergie, dans le marché de l'énergie, que nous, la communauté africaine, ne négligeons en fait. Il s'agit par exemple du métier en tant que conseiller en énergie. Et justement, comme cadeau la semaine dernière, M. Dago a offert de former gratuitement les personnes qui s'intéressent à ce métier. Donc lui-même, il a créé son entreprise Senao Marketing, qui a une branche dans l'énergie. Et justement, il forme des gens dans ce domaine-là. Et quel que soit le parcours qu'on a, quel que soit le cursus scolaire qu'on a, on peut travailler en tant que conseiller en énergie. Donc, je vous invite, nous avons publié le lien de pour s'enregistrer sur notre page. Donc, les personnes qui sont intéressées vraiment, allez regarder sur notre page, vous allez retrouver ce lien et vous pouvez vous enregistrer. Et la formation est vraiment entièrement gratuite. Vous pouvez le faire de manière parallèle à votre activité normale. Ou alors, les personnes qui n'ont même pas de boulot et qui cherchent quoi faire, ça peut être une belle expérience. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Alors, comme je le disais, on va parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur. Comment se sentir légitime dans son activité? On a malheureusement beaucoup de personnes qui savent faire des choses. Vous savez, quand vous ressentez, par exemple, vous êtes compétent dans ce que vous faites. Vous le transmettez, mais pour le transmettre, c'est tout un problème. Vous vous sentez illégitime dans ce que vous faites. Vous vous sentez, vous avez l'impression que votre réussite n'est pas due à vous, en fait, que votre réussite est due à la chance ou aux personnes extérieures. Vous ne vous attribuez pas la réussite de votre activité. Vous ne vous attribuez pas vos réussites. Vous vous dépréciez. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, alors peut-être que vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Et justement, pour en parler aujourd'hui, nous avons Bettina Mas. Donc, justement, je vous disais qu'on va inviter, qu'on va appeler tout à l'heure, on va introduire tout à l'heure Bettina Mas qui viendra nous parler du syndrome de l'imposteur. Avant d'introduire notre invité, on fait un dernier rapide coucou aux personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à toi, Sandra Njoko. Merci d'être là. Nathalie Soukou, qui nous dit c'est partagé. Merci, merci ma chérie, merci infiniment. On a Gailou qui nous a rejoint également. On a Akeme Raïssa qui nous a rejoint. Akeme Raïssa, c'est ma petite sœur. Bienvenue à toi, chérie. Monsieur Tétiré qui nous a rejoint. Bienvenue à toi, Alain. Je suis très ravie que tu sois là. Monsieur Tétiré, qui est le responsable régional Alliance ici en Allemagne. Il a été un de nos invités et je suis vraiment très heureuse que tu aies pu te connecter aujourd'hui. Merci d'être là. Merci d'être là. Alors, vraiment sans plus tarder, je ne vais pas faire attendre notre invité plus longtemps. Elle est en backstage et elle attend depuis un moment. Donc, sans plus tarder, je vais introduire comme ça Bettina Mas. Hello Bettina. Ah, un instant, ton micro. Ah oui. Allez, on recommence. Bonjour. Voilà. Bonjour Martine, bonjour à tous. Bienvenue à Spotlight, comment tu vas? Je vais très très bien, très très bien. Je suis contente d'être là avec toi, avec ton audience et ceux qui sont connectés sur Internet. Je salue ma très grande équipe qui est là, Estelle, Agnès, Nathalie, Héloïse, Sandra, j'ai vu quelques noms passer là et tous ceux qui n'ont pas encore commenté, merci d'être là pour me soutenir. Waouh, tu es venue avec du monde, merci. Merci, merci infiniment. Alors, justement, je disais, aujourd'hui avec toi, on va parler du syndrome de l'imposteur. Comment se sentir légitime dans son activité? Je sais, pour avoir discuté avec toi, je sais que tu as été
toi-même aussi victime de ce syndrome. Mais avant de d'entrer vraiment dans le vif du sujet, déjà, s'il te plaît, présente-toi à nos, à nos, à nos, aux personnes qui nous regardent, présente-toi à nos spectateurs. Dis-nous qui tu es, s'il te plaît. Très bien. Alors, bonjour à tous encore une fois. Bon, c'est difficile de se présenter soi-même en tant que famille, mais C'est ce vrai. qui est à retenir et qui est essentiel, c'est que donc, je suis Bettina Mass, d'origine congolaise Brazzaville. J'habite en région parisienne en France depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'ai créé un cabinet de conseil il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. C'était un 6 octobre, donc voilà. Oh. Et ouais, tout à fait. Et donc, dans ce cabinet, j'aide les personnes, donc les porteurs de projets, à passer à l'action. Toute personne qui a à cœur de lancer un projet personnel, mais qui ressent des freins. Donc, moi, je travaille sur 3 freins principaux. Il y a le frein des finances personnelles, ceux qui ont des problèmes à faire un budget, à gérer leurs finances, à tout organiser, à planifier. On travaille sur ça. Le second volet, c'est aider les personnes à avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Donc là, ça va être un bilan personnel et professionnel, où là, on fait le point sur votre potentiel, vos talents. Et parce que je pense que c'est vraiment la base pour moi, en fait. C'est pour moi, il est préférable de d'abord se connaître un peu mieux avant de lancer un projet, parce que comme ça, au moins, on saura faire les meilleurs choix. Et donc, du coup, étape numéro 3 maintenant. On passe à l'action, donc dans un projet qui vous tient à cœur. Pour certains, c'est voilà, Bettina, je veux investir dans l'immobilier, par exemple, mais ils savent qu'ils doivent passer d'abord par les finances personnelles. Donc, on commence par ça. Voilà, donc chez moi, c'est vraiment tout un parcours où quand vous rentrez là, donc c'est voilà, on clean les finances, on vous clean, vous, par rapport à vos talents, et aussi, donc, on clean vos idées. J'aide vraiment les personnes à voir beaucoup plus clair sur leurs idées, en fait. Donc, ceux qui ont plein d'idées, qui ne savent pas par où commencer, je les aide à avoir un plan d'action et après pour se lancer. Et maintenant, après, la crème des crèmes, c'est la mise en réseau, parce que je pense que toute personne peut avoir un talent, un potentiel, mais s'il n'est pas entouré des bonnes personnes et des bons contacts, il peut tourner en roulant. Donc moi, je les mets en relation avec mon réseau pour leur permettre de D'accord. prendre l'action rapidement. Et après, OK. j'ai lancé également aussi mon centre de formation professionnelle, où je fais la même chose, sauf que lui, il est un peu plus axé aussi sur les personnes qui entreprennent déjà, qui ne sont pas encore visibles sur Internet. Donc, je les aide aussi à être présents en ligne. Voilà, donc c'est cabinet de conseil, centre de formation. Voilà. D'accord. Et je ne sais pas ce que je peux rajouter, mais en tout cas, on est là parce que oui, le thème du jour est un thème que j'affectionne beaucoup, parce que c'est vraiment mon histoire. C'est l'histoire de mon parcours, de ma vie. Je le disais encore hier à un événement où je suis intervenue. Je collectionnais toutes les peurs, en fait. Elles étaient résumées en moi, là. Toutes les peurs que vous connaissez, c'était vraiment en moi. Et donc, je parle de passe à l'action. C'est pas, pour moi, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan, c'est pas une phrase qui fait joli. C'est vraiment Oui, ma vie. Être là comme ça, d'accord. live, on dit, ah, elle est à l'aise, elle est bien, mais j'étais pas toujours comme ça. Là, d'où je viens, là, le parcours que j'ai fait, je vous assure que je comprends les personnes qui vivent, qui ressentent ce sentiment-là. D'accord. Est-ce que justement tu peux nous parler, parce que j'allais te poser la question de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans sur cette voie que tu as choisie aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé? Et on comprend justement à travers ce que tu viens de dire que c'est quelque chose de personnel que tu as vécu d'abord. Est-ce que tu veux partager ça avec nous, s'il te plaît? Peut-être ça va permettre à nos amis qui nous écoutent de pouvoir peut-être s'identifier mieux encore à ce qu'on va dire aujourd'hui ici. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée à passer à l'action? Je pense que j'étais à un stade de ma vie où c'est un peu comme une femme qui est enceinte, qui attend un enfant. Une femme qui attend un enfant, elle parcourt ses mois de grossesse. À un moment donné, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas, l'enfant doit sortir. Il y a un moment donné où dans votre parcours où là, vous vous rendez compte que non, c'est plus juste possible de continuer comme ça à porter ses peurs, à me donner des raisons, des excuses. Non, là, je dois me lever et passer à l'action. Moi, ce qui m'a aidé, ça a été de voir que déjà de base, je suis quelqu'un qui est toujours, j'ai toujours été motivée à encourager les gens. J'ai toujours cru aux personnes. Moi, je crois en tout le monde et je motive tout le monde. Même quand je suis fatiguée, même quand je suis épuisée, en fait, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi, en fait. Et donc, je voyais des gens autour de moi qui avaient des projets, qui lançaient des projets, mais qui n'allaient pas au bout. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas au bout de leur projet? Et donc, en faisant un peu mon enquête,
Je me suis rendu compte que les gens, ben, un, ils n'avaient pas. Alors, l'entourage ne croyait pas en eux. On disait, mais toi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais t'es pas... Il y avait ça. Et numéro deux aussi, il y avait le manque de connaissances de l'écosystème, quoi. Comment ça marche, par quoi je commence, et tout. Et puis, il y avait aussi l'environnement. L'environnement. Alors, à l'époque, je me souviens, à mon domicile, j'organisais des rencontres que j'appelais le rendez-vous des visionnaires, où là, les gens venaient à la maison, je faisais à manger, et en fait, chacun parlait de son projet, de son parcours, et maintenant, je les mets en relation les uns les autres. Et dis, bon, toi, tu es un manager, tu cherches des artistes à manager, lui, il en a, allez, appelez-vous, voyez-vous. Bon, vous, vraiment, je le faisais naturellement. Donc, je faisais des rencontres entre jeunes, entre artistes et entre femmes aussi, pour répondre à ces problématiques-là. Après, ça a commencé à évoluer. Et là, bah, le net, hein, le net aussi, je me suis mis là-dessus. J'ai commencé à faire des vidéos. Non, au départ, j'ai commencé d'abord à écrire sur Facebook, un peu de manière un peu timide. Et c'est le coach William Jamel qui me dit, Bettina, tu écris bien, on te lit, on est motivé. Mais en fait, on sent que tu vois, je sais que tu peux faire plus. Elle dit, oui, je sais, mais je ne me sens pas capable et tout ça. Et donc, elle me dit, mais tu sais, tu peux mettre une image avec ton poste. J'ai dit, oui, mais bon, après, du coup, ça va attirer l'attention sur moi. Il dit, mais non. Créer Oui, mon oui. page, même pour créer ma page Facebook, c'était toute une histoire. Je me suis dit, oh, parce que au moins un compte personnel, je peux trier qui je mets ou Tu pas à mise. l'ajoutes, effectivement. La page, elle est publique, quoi. Tout le monde te voit. J'avais peur. Donc, finalement, je l'ai créé, mais de manière timide, là, comme ça. J'osais même pas mettre ma propre photo de profil. Je mettais des motivateurs américains. Un jour, on me dit, mais on ne te voit pas, pourquoi je ne te montre pas? J'avais, je dis, mais si je me montre, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et donc, il y a eu ce jour-là où j'ai entendu une prédication d'un homme, monsieur Teddy Mbanda, qui aujourd'hui qui est au Bénin. Il a dit, ma vie doit compter. En fait, ce message-là m'a remué de l'intérieur. Je me suis dit, mais je ne peux plus continuer comme ça, en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et si ça ne marche pas? J'ai dit, non, Bettina, vas-y. J'étais enceinte, je portais au moins une grossesse, et l'enfant devait sortir absolument. Et là, j'ai commencé à mettre une photo de moi, deux, trois, à faire des lives, des vidéos. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas dire que la peur est partie. Non, même, vous allez voir que même dans la vie, tous les grands motivateurs, tous les grands orateurs ont aussi peur. Ils ont aussi peur. Mais c'est maintenant, c'est comment on l'appréhende et comment on passe en action malgré la peur. Donc, c'est pour dire que, voilà, c'est ce que moi j'ai ressenti. J'avais peur du rejet, peur d'échouer, peur qu'on se moque de moi, peur. Enfin, toutes les peurs-là, je les ai côtoyées de très près. Mais après, donc, j'ai dû prendre une décision que donc là, ça suffit. Ma vie doit compter sur Terre. Je ne veux pas regarder à ce qui pourrait marcher ou pas marcher. Je regarde aux personnes pour qui je suis la réponse et je veux que ma vie sur Terre puisse compter. D'accord. Alors, justement, tu as commencé déjà à expliquer même en fait ce que c'est. Mais maintenant, selon toi, c'est quoi en fait? Comment est-ce qu'on peut définir le syndrome de l'imposteur? Donc, vraiment, pour entrer déjà, pour planter le décor, on a planté le décor déjà pour entrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Alors, tu sais que tout à l'heure, je me suis amusée à aller voir même la définition même que donne le dictionnaire, tout ça. Je me suis dit, non, là, D'accord. il y a les mots exacts même. Tu OK. vois, je me suis dit, waouh, mais c'est pas assez fort. Tu vois, sur Internet, là, Wikipédia dit que les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelé aussi le syndrome de l'autodidacte, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs, donc la chance, les relations et puis d'autres circonstances. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasqués d'un jour ou l'autre. Donc, en résumé, en fait, syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment-là qu'on peut ressentir à un moment donné où on s'estime ne pas mériter quelque chose.
je ne me ne pas être assez bien, assez top, assez Oui. parfait pour qu'on puisse nous écouter, pour qu'on puisse transmettre quelque chose aux gens. Tu vois? Effectivement, Un oui. comportement qui est négatif et qui est un frein à notre avancement. Parce que même Oui. le résultat, parce que même tout ce qu'on fait, on a toujours cette pensée intérieure qui nous dit, ouais, mais c'est pas, tu vois, c'est. Tu te sens, il a dit, le mot disait usurpateur, tu as Oui, voleur, quoi. effectivement. Oui, tu as l'impression d'être, oui, scélérat, tu as l'impression de mentir et qu'on va te démasquer, que tout le monde est en train de, tout le monde sait que tu mens, que tu es en train de raconter des histoires. Incroyable. C'est Oui. incroyable. Tu vois comment ça va? Et ça va hyper loin, tu vois. Alors que tu es là, bonjour à tous. Bon, ben moi, je suis Bettina Mas. En fait, tu t'excuses d'être là. Donc, alors, je suis formatrice et coach. Hein, donc, bon, tu vois, en fait, tu t'excuses alors que prends ta place, quoi. Occupe ta Oui. place. C'est ta place. Assume-la. Oui. Mais Tu le selon... mérites. Oui, OK. Alors, selon toi, c'est dû à quoi? Ça peut... C'est quoi? C'est pourquoi ces peurs? Qu'est-ce qui cause... Qu'est-ce qui réveille en nous cette... Qu'est-ce... Oui, c'est quoi la cause de ce syndrome à la fin? De toutes ces peurs, de tout ce doute? Qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que ça peut être peut-être un manque de qualification, un manque de diplôme dans l'activité, peut-être? Je me dis que si peut-être on a eu une formation, un cursus scolaire autre que ce dans quoi on travaille ou alors ce dans quoi on aimerait travailler plus tard et qu'on n'a pas de diplôme, est-ce que c'est peut-être ça la fin qui cause ce syndrome? Francine, j'aimerais te répondre, oui, c'est ça. Mais la vérité, c'est que j'ai tellement de personnes autour de moi qui ont le bac plus 5, plus 6, plus 7, mais qui pour autant ont le sentiment le syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai eu à me rendre compte que ce n'est pas ça le fond du problème. Tu sais, lorsque quelqu'un vient me voir pour une session de consultation ou même de coaching et tout ça, j'aime bien creuser, en fait. J'aime bien creuser, creuser, creuser pour bien comprendre quel est le fond du problème. Parce que le diplôme, c'est une reconnaissance que tu as et qui est aussi importante. Sauf que moi, j'ai vu des personnes qui, même malgré ça, oui, j'ai le diplôme, mais tu vois, j'arrive quand même pas à me lancer, à faire des choses. Oui, Et oui, donc, pour moi, il y a plusieurs causes, mais l'une, celle qui est la, enfin, l'une des causes majeures, c'est la comparaison. C'est Ah, la, et ça vient souvent de l'enfance, très souvent, de l'enfance, de l'entourage. Tu vois, on a dû à te dire des pensées, ah, mais toi, ah, mais tu es trop lent, tu es trop grosse, ah, tu parles trop doucement ou trop fort. Tu vois, ces petites pensées-là qu'on nous a dit par des proches, hein, souvent, par des proches dès l'enfance, souvent, elles sont ancrées en nous comme ça, on les accepte et on grandit avec ça. Et donc, oui. du coup, et parce que regarde, imagine quelqu'un qui effectivement n'a pas de diplôme. Il peut avoir ce syndrome-là si seulement il remarque que quelqu'un d'autre a le diplôme. Donc, mettre tout part vraiment de la comparaison. C'est Oui. toujours moi par rapport à telle personne. Elle va se dire, ah tiens, j'aimerais faire des lives et tout, mais je suis pas à l'aise comme Bettina ou comme Franck. Non, mais fais selon toi-même. Tu comprends? Donc, c'est vraiment là, cette comparaison. On regarde, on est fixé sur des choses qu'on n'a peut-être pas, alors qu'on a d'autres forces qu'on peut également exploiter. Voilà. Oui. Hier, je disais à l'événement, j'étais hier, que moi, par exemple, honnêtement, les vidéos là, YouTube et tout ça que tout le monde fait, j'en ai fait, je peux en faire, mais c'est pas là-dedans que je suis à l'aise le plus. Parce Oui. que j'aime bien là comme un live, comme ça. J'aime bien parler aux gens, tu vois. J'aime bien le contact. Donc, quand tu te connais, tu vois, tu peux mieux voir. OK, j'ai peut-être pas l'éloquence de Barack Obama ou d'Oprah Winfrey, mais j'ai ma voix à moi, j'ai ma patte à moi. Donc, il y a Oui, la comparaison, oui. souvent. Il y a aussi le manque d'estime personnelle. Et là, encore une fois, c'est tout lié par un événement qu'on a eu à vivre, tu vois. Effectivement, effectivement. Enfin, voilà, dans le passé, les parents ou le conjoint qui t'a diminué ou les copines, enfin, tu vois. Donc, c'est D'accord. ça, c'est la comparaison, le manque d'estime personnelle.
Il y a aussi l'environnement où on est, tu vois, où on Oui. grandit. Oui. J'ai justement beaucoup aimé le rapprochement que tu as fait avec l'enfance, parce que ce n'est pas, ça ne, ça vient parfois, on ne voit pas, on ne voit pas toutes ces causes lointaines, mais ce que les parents, par exemple, disent aux enfants, les mots que les parents avancent aux enfants, ça a une, vraiment, ça a une énorme influence sur le devenir de ces enfants plus tard. On ne se rend pas souvent compte. Tu dis à ton enfant, ah, oh, mais toi, tu es quel idiot, ou toi, mais tu... Vraiment, ce genre de paroles, parfois, ça reste ancré et ça fait que l'enfant, bah, tellement parce qu'il a entendu ça étant petit, il grandit avec et c'est une vérité pour lui. Ça devient une vérité et il se reconnaît chaque fois qu'on va parler de ça. Et ça fait que ça joue beaucoup vraiment dans ce, dans l'estime, dans son estime pour lui. Et plus tard, il peut justement développer ce genre de syndrome quand il est confronté à certaines. À certaines situations. Ça ne s'arrête même pas seulement au niveau de l'activité. Je pense que même dans les relations amoureuses, il y a des personnes qui disent souvent non, qui s'auto-sabotent, qui se font, qui se flagellent psychologiquement, je veux dire. Dit par exemple que non, il n'est pas, il est trop bien pour moi ou je ne suis pas assez bien pour lui. Tout ça, c'est aussi une forme de syndrome de l'imposteur, en fait, de ne pas pouvoir assumer ses réussites. De ne pas pouvoir s'attribuer ses réussites, quoi. Donc, vraiment, merci, merci Bettina pour ce C'est dans tous les domaines, hein. C'est dans tous partage. les domaines, c'est dans tous Oui, les domaines, effectivement. dans tous les Oui. domaines. C'est impressionnant, même dans les Oui. relations. Effectivement. Oui, on a un commentaire de Julia, c'est ma sœur également. Bah, finalement, toute ma famille est connectée aujourd'hui. Bienvenue à toi, chérie. Alors, Jélie nous dit, c'est vraiment le fort des Africains se comparer aux autres. Oui, malheureusement, chérie, malheureusement, c'est ça. Et pendant, c'est une très bonne question là de Pierre. Elle est Oui. excellente. Elle me plaît beaucoup la question. Je sais pas si tu réponds à la fin ou si enfin, tu me dis si on Donc, prend tu peux maintenant. répondre maintenant. Donc, il dit quoi? Très intéressant, Bettina. Comment en fait L'estime. tu veux donner le bas âge? Et donc ça, c'est je pense que ça suit aussi un peu ce qu'a dit tout à l'heure Gélie, que nous savions. En tout cas, on salue tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Bienvenue à vous sur ce live. Salut Oui, et de n'oubliez Paris. pas de partager, s'il vous plaît, partagez autour de vous, invitez vos amis à nous rejoindre parce que c'est très important ce qu'on partage ici aujourd'hui avec Bettina. Alors, Pierre, merci pour le commentaire. Comment développer l'estime personnelle dès l'enfance à nos enfants et tout cela? C'est déjà, il faut que nous puissions arriver à dissocier qui nous sommes et ce que nous faisons. Oui. Le problème, c'est que souvent, on va mélanger les deux. Je suis Bettina Mas, une personne que Dieu a créée, une personne de valeur, comme les Francine, comme les Pierre, comme les tous ceux qui sont connectés. Je peux faire entreprendre quelque chose et même me tromper, mais c'est pas parce que je me suis trompée que ça remet en cause qui je suis moi. Effectivement. Donc, dès l'enfance, il faut arriver déjà à faire cette différence-là. Donc, c'est encourager l'enfant, féliciter l'enfant, parler à l'enfant. Vous comprenez? L'enfant doit ressentir que papa, il m'aime. D'accord, j'ai fait une bêtise et tout ça, mais son amour pour moi reste Exact. valable, en fait. Oui. Donc, par les paroles déjà valorisantes, c'est encouragé. Ça, souvent, dans nos pays d'Afrique, c'est rare qu'on est très pudique. Donc, on se dit à peine je t'aime, on prend par le bras, on est très. C'est la culture, en fait. On est très. Bon, Oui. je sais qu'on a même, mais tu vois, se le dire, c'est pas comme l'Europe, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment quand l'enfant naît, c'est voilà, je suis fière de toi. Bravo! Ah, ok, t'as eu 5 sur 20. Ok, c'est pas grave. Travaille, essaiera mieux prochainement. Tu vois, c'est nourrir. Parce que le problème, c'est que surtout quand c'est des filles, l'amour qu'elles n'ont pas eu dans l'enfance, elles vont se chercher dans les petits copains. Et j'ai vécu ça aussi, en parenthèse. Comprenez? Où tu vas aller demander là, tu vas aller parce que tu as une carence émotionnelle. Donc, dès l'enfance, le père et la mère ont cette charge-là, ce rôle-là de vraiment créer un climat de confiance pour l'enfant. Même quand je le reprends, derrière, ça doit quand même être par amour. Tu sais, voilà, dissocier qui est la personne de l'action qu'elle cause. OK. Oui.
Oui, effectivement, peut-être pour compléter, de dire que l'enfant ne se limite pas. En fait, parce que parfois, les enfants, ils aiment bien gagner. J'ai ma petite nièce qui, à 6 ans, quand elle perdait, on faisait un jeu, quand elle perd, elle était vraiment très, très triste. Et quand tu lui demandes pourquoi, elle dit que non, elle m'a souvent dit, je n'ai même pas perdre. D'enseigner peut-être aussi à l'enfant que il y aura des moments où tu vas perdre, mais ça n'enlève en rien, ça ne diminue en rien ta valeur, ça ne change en rien ce que tu es comme personne. Donc il faut peut-être, quand tu as des échecs également, de pouvoir les accepter, mais ne te réduis pas justement à ces échecs-là, ne te limite pas uniquement à ces échecs-là. Il y a également Charlotte là qui rebondit là-dessus. Oui, Charlotte, mais ça, c'est valable même pour toutes les personnes, pas que l'enfant. C'est vraiment dissocier ça. Et c'est aussi faire attention aux petits noms qu'on donne aux gens là. Ah, le gros! Ah, la grosse! Ah, ces choses-là, ça marque à vie. Tu Aïe, vois? aïe, aïe. Ah, tu es trop nul, toi. Sans toi, tu es trop lent. Tu n'es pas comme ton frère. Ouh, Ah, une ouais. bombe à retardement. Ah oui, ah Non, oui. mais toi, tu es bête, hein. Tu es bête comme le mouton, hein. Tu es si. Ouch, ouch. Je t'avoue que le fait que tu le dises comme ça, moi, ça me fait tellement mal. Oh God. Vraiment, on ne se rend pas malheureusement compte, mais c'est. On Non, pas. détruit à long terme, les enfants sans s'en rendre compte. Bienvenue à toi, Charlotte. Merci, merci pour ta remarque. Alors, on va donc continuer avec nos questions. J'aimerais savoir donc comment est-ce que. Bon, c'est vrai qu'à travers ce que. À travers ce que tu nous as dit, quelqu'un peut déjà reconnaître aisément s'il est victime de ce syndrome. Maintenant, je sais que je suis peut-être victime du syndrome de l'imposteur. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais pour y remédier, pour sortir de là? Comment est-ce que je peux gérer ça? D'accord. Alors, j'ai quelques éléments de réponse hein, que moi, j'ai eu à appliquer, que j'applique encore au quotidien. C'est accepter votre unicité. Il faut OK. accepter l'idée que nous sommes uniques, en fait. Je suis unique, peu importe ma taille, ma couleur, enfin, je suis unique et je suis quelqu'un de valeur. Il faut. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des fois, je vous dis, on est très focalisé à apprécier ou à admirer les autres. Ah, il a une belle voix. Ah, il a une belle taille. Ah, j'aurais aimé. En fait, tu fantasmes là-dessus. Il Oui, serait ça fait temps déjà encore la comparaison. tu acceptes, toi. Tu es court de taille. Tu aurais aimé être grand. Accepte qui tu es. D'accord? Je dis, voilà, j'aime. En fait, n'attendons pas que d'autres personnes nous complimentent. Non, tous les matins. Parle-toi en fait, voilà, et regarde aussi à ce que tu aimes chez toi, d'accord? Et moi, je suis quelqu'un en fait, de par mon tempérament, parce que, oh, donc il y a eu le syndrome de l'imposteur, mais j'ai aussi un tempérament, une personne qui, en tout cas avant, parce que j'ai travaillé dessus, qui, c'est vraiment ce qu'on appelle les consciencieux, c'est-à-dire qu'ils prennent leur travail au sérieux, qui sont rigoureux, qui font les choses de manière minutieuse, quoi, c'est-à-dire que c'est jamais assez bien fait, tu vois? Et donc, en thèse un peu, tu dis oui, c'est bien, mais il manque ça, tu vois. Et ces personnes-là ont un trait et elles sont aussi perfectionnistes. Donc, tu vois, tu es là, tu vas mettre la barre haute comme ça. Ah, tu as fait un exploit. Hein? Ouais, c'est bien, mais je dis, tu vois, apprendre aussi à apprécier, à t'apprécier. Ah, voilà, j'ai fait ça, j'ai pu avoir ça. Ok, je m'encourage, je me félicite et puis j'avance. Donc, accepter qui tu es toi, arrêter de regarder à qui tu n'es pas. D'accord? Après, maintenant, il y a aussi ton histoire. Trop souvent, on est là et on la méprise. On passe notre temps à se dire, voilà, mais tu sais, moi, je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu ma mère, j'étais abandonnée. Toutes les personnes sur Terre, on a tous notre lot de problèmes et notre passé. Moi, j'arrive en France au cours de la guerre. J'ai connu trois guerres de mon pays civil.
93, 97, 98. Trois guerres. Mes parents et moi, on avait tout perdu. Donc, on est passé d'une famille aisée, hein, voilà, on a tout perdu. On dormait par terre. On dormait par terre. Mes parents ont dit, on faisait tout à zéro. Donc, en fait, on m'envoyait en France dans un climat où vraiment au pays, il y avait la guerre et tout. Donc, du coup, les femmes étaient souvent arrêtées, frappées, violées. En fait, on m'a dit, écoute, toi, au moins, là, comme tu es une fille, on te voit là-bas en Europe, tu vas retrouver ta soeur qui est déjà là-bas. Et puis, ma fille, hein, là-bas, essaie vraiment de t'en sortir. J'avais 14 ans. Donc, je peux dire que, ah, mais tu sais, moi, j'ai grandi sans mes parents. Mes parents, donc, j'ai revu mes parents, je crois, au moins 10 ans après. Au moins. Comprenez? Donc, on peut tous regarder au verre à moitié vide. Hein. Ah, mais tu sais, moi, j'ai connu la maladie. Ah, tu sais, moi, j'ai perdu mon enfant. Tu sais, moi. Ok, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? C'est fait, là, c'est Tu arrivé. ne peux pas changer ça, en fait, oui. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est avoir un autre regard sur ton histoire. Te demander, ok, par rapport à ce que j'ai eu à vivre, comment je peux en tirer le meilleur parti? J'ai créé Effectivement. mon cabinet de conseil, pas parce que je m'ennuyais, pas parce que c'est parce que j'ai vu des problématiques sur le domaine que moi j'ai eu à vivre personnellement. J'ai dit non. J'ai toujours dit que franchement, sur Terre, ma vie doit faire gagner du temps à quelqu'un qui passe par là. Si moi j'ai une situation et que moi j'ai galéré là-dedans pendant des années, que quelqu'un d'autre là, il gagne du temps là-dessus. Putain, La vie d'un effectivement. pauvre. Oui. Mais ça demande d'avoir un autre regard sur ta vie et ne pas te morfondre. Donc, me accepte ton histoire et c'est maintenant et un autre regard par rapport à elle. J'ai grandi sans mes parents à distance, mais j'ai ma soeur qui est là, qui m'a élevée, qui m'a appris les bases, qui m'a aussi connecté à la foi en Dieu. Genre, dis, ben, j'ai grandi en fait et ça m'a forgé. Tu vois? Et de maintenant, je peux comprendre des gens qui passent par là, qui ont grandi très jeunes sans leurs parents. Ce n'est pas simple de vivre l'adolescence sans repère, hein? Mais Dieu m'a gardé, je suis là. OK? Oui, voilà, Ophélie, mon histoire, ma force. Donc, et maintenant, après, c'est si vous êtes là et que vous avez, tu vois que c'est bon, tu as les compétences, tu as les talents, mais en fait, fais ce que tu sais faire. Parce que souvent, on regarde encore une fois à ce que d'autres font. Moi, dans mon domaine, je fais ce pourquoi je suis doué, en fait. Quand je ne connais pas, soit je pose une question à quelqu'un, soit je délègue. Quand quelqu'un me consulte, un prospect, mais tu n'as, je veux telle chose, je dis, ah, écoute, moi, pour ça, je me connais un peu, mais je ne suis pas experte là-dedans. Je te redirige vers un tel. C'est être focalisé sur le domaine où moi, tu vois, je sais de quoi je parle. Tu aimes me voir pour les finances, là, je peux t'aider. Tu aimes me voir pour te connaître, tout, on va travailler ensemble, dans le projet. Mais dans des domaines qui me dépassent moi-même et sur lesquels je suis encore en train d'apprendre. Je ne connais pas tout. Et enfin, voilà. Donc, c'est, tu vois, commence. Et même à l'époque, quand je me suis lancée là, il y a 3-4 ans, Francine, je ne connaissais pas tout. J'avais mon programme Passe à l'action. J'accompagne les gens à créer un projet en 3, 4, 6 mois, ça dépend des fois parce que la fréquence change. Au départ, dans mon module 3 qui s'appelle Trouver une idée de projet, au départ, en fait, enfin, je m'arrêtais juste à. J'écoute les personnes, j'écoute leur idée, je leur donne un plan d'action. Tu vois, point. Et maintenant, je vais venir des intervenants qui abordaient les parties un peu techniques là. Tout ce qui est compta et tout, et business plan. Mais 3 ans après, moi-même ayant maintenant pratiqué ça, aujourd'hui, mon programme là en début d'année, j'ai pu faire ces modules-là moi-même. Tu vois? Donc, je ne parle que de ce que je ne connais pas. Et enfin, c'est aller pas à pas. Au départ, avant, j'avais peur de YouTube. Pour moi, c'était la jungle, quoi. J'avais peur des haters. Et donc, je ne me suis pas dit, j'attends d'abord que la peur passe. La peur ne passera jamais. Jamais, non. Je suis là pour t'annoncer que la peur ne passera jamais. Tu comprends? En tout cas, pas. Donc, je me suis dit, que puis-je faire pour quand même passer à l'action malgré la peur?
Donc, chez moi, je me filmais, je m'entraînais. Pareil, dans les groupes privés Facebook, je m'entraînais dans les lives, je m'entraînais, je m'entraînais. Pas à pas, pas à pas. Quelque chose comme ça qui paraît grand au début, tu le coupes en plusieurs objectifs et ça a l'air plus simple. Effectivement, effectivement. J'aime bien l'image de cette. J'avais causé avec une amie qui me parlait d'une montagne. Quand tu as quelque chose que tu veux faire, ça te paraît être une énorme montagne. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas la dégager de ton chemin. Peut-être la façon d'aborder le sujet serait de ne pas essayer d'embrasser toute cette montagne, mais de casser en petits morceaux et de pouvoir dégager chaque pierre après pierre. Et c'est comme ça que tu vas finalement avancer. Après un moment, tu vas te rendre compte que tu n'as plus cette montagne devant toi. Donc, pas à pas, c'est vraiment une très belle façon de fonctionner. On va prendre quelques questions qui nous sont venues de nos spectateurs. Alors, on a Monsieur Tétiri qui dit, qu'en est-il pour celui qui réussit dans son domaine, mais se restreint d'aller à l'offensive avec son succès? Cette attitude peut être interprétée comme ce syndrome. J'ai pas compris la première partie de la question. Et celui qui, je pense qu'il dit, Ouais, celui qui réussit dans non. son domaine, ben, il est très compétent et il réussit, mais il n'arrive pas à aller plus, peut-être aller à un niveau plus élevé encore. Est-ce que ça aussi, on peut considérer ça comme le syndrome de l'imposteur? Je pense que, bon, c'est comme ça que moi j'ai compris la question. Si c'est ça, Alain, s'il te plaît, confirme-nous ça. Sinon, précise encore peut-être mieux ta question pour que Bettina puisse y apporter également une réponse concrète, s'il te plaît. En tout cas, encore une fois, là, ça va dépendre des gens. C'est-à-dire que moi, si j'avais Alain au téléphone, j'allais essayer de creuser pour voir qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à passer un cap. Enfin, en tout cas, lui ou La celui personne, qui. oui. Tu vois? Parce qu'il y a, y a, y a, y a plusieurs raisons. Il y a des fois, effectivement, la peur de franchir. Vous savez, souvent, on ne prend pas assez en compte notre croissance intérieure. Je ne peux pas aller à un niveau là où intérieurement je me suis arrêté en moi. Oui. Je répète, il y a des gens par exemple qui se sont dit, moi si je gagne 1500 euros par mois, c'est bon, pour moi c'est bon, j'ai réussi. Tu vois? Donc, et c'est bien mis une limite mentale dans la tête. Donc, du coup, le jour où il y a plus qui vient, elle panique. Elle panique et puis elle va tout faire pour le dépenser. Pour retomber à son niveau qu'elle avait dit là, 1500 euros. Tu comprends? Donc, il y a Oui. plusieurs raisons qui peuvent faire ça. Il y a ça, il y a peut-être aussi que ben, dans ce domaine-là, c'est un peu bouché. Enfin, tu vois, c'est là, c'est il faut creuser. En tout cas, moi, je vais D'accord. d'abord écouter la personne pour et j'aurais identifié un peu, on lui posait des questions. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à passer un cap? Mais en tout cas, le D'accord. syndrome de l'imposteur, en général, c'est plutôt un sentiment où là, on fait des choses, mais. On ne sent pas qu'on les mérite, quoi. J'ai des clients, ça marche bien, mais je ne me sens pas à ma place parce que j'ai l'impression que Oui, c'est à je cause n'ai des pas autres que j'ai ce le droit. succès. Oui. Voilà. Or là, ça ne me semble pas trop être ça, en fait. OK, d'accord. À discuter. OK. Alors, Alain, j'espère que tu as ta réponse. On va passer à une autre question. Ça, c'est une question d'un membre de l'équipe. Merci, Bettina, pour cette réponse. J'ai une autre question. Quel comportement adopter lorsqu'on juge que l'enfant va dans la direction que nous ne voulons pas? Donc là, c'est le cas d'une personne qui a un enfant et Oui. l'enfant fait des actions qui. Qui ne cadre pas avec les rêves du papa ou de la maman, je suppose. D'accord. Moi, honnêtement, je ne suis pas experte avec les enfants parce que je n'ai pas encore d'enfant. Mais ce que je peux dire là, déjà, c'est. Dans tous les cas, le conseil, mon conseil, il reste le même. Il faut vraiment arriver à dissocier la valeur d'une personne avec ce qu'elle fait ou pas. Donc, en tout cas, moi, avec mes neveux et mes nièces, je vois même mes frères et mes sœurs, on donne un cadre. Voilà, écoute, il y a un cadre, mais même nous à l'époque, à les parents, il y a un cadre avec des règles. Et quand tu envoies la règle là, on te reprend, hein, on te reprend bien à l'ordre, mais à aucun moment tu dois sentir que non, voilà, que maintenant, papa, maman ne m'aime plus, quoi. C'est ça que je parle en Oui, fait. oui, oui. Il ne faut pas qu'après l'avoir repris ou l'avoir puni ou autre, tout ça, que l'enfant se dise que non, voilà, j'ai fauté, j'ai décidé, maman, tu vois, et que son amour enfin, prenne un coup, quoi.
Moi, je parle de ce point-là. D'accord? C'est juste D'accord. que l'enfant se dise que, ah, parce que j'ai vu tellement de personnes aussi, des clients, même des clients qui étaient jamais là à la maison. Et donc, du coup, pour se faire pardonner, c'était plein de cadeaux aux enfants. Plein de cadeaux à l'enfant. Mais ça ne remplacera jamais l'amour de, tu vois? Donc, c'est très complexe. Mais l'idée pour moi, là, ce soir, aujourd'hui, c'est vraiment juste de nous dire, de dissocier qui nous sommes avec ce que nous faisons, avec nos D'accord. enfants, avec notre entourage, avec nos équipes, partout, avec quiconque d'ailleurs, enfant ou pas. C'est quand tu reprends quelqu'un, il faut qu'elle sente que, waouh, franchement, elle me reprend là parce que, tu vois, parce qu'elle-même, elle Oui. me croit une meilleure personne, tu vois. Effectivement, oui. Moi, c'est mettre à la place, c'est avoir les mots qui sont adéquats, et également parler au bon moment à la personne. Avec aussi une phrase d'encouragement derrière, tu Oui. vois. OK. Voilà. D'accord. Alors, on va prendre une autre remarque de Charlotte qui dit, vous dites de faire dans ce qu'on sait faire, mais en écoutant votre histoire, notamment sur votre programme de formation, vous avez travaillé sur vos points faibles pour être meilleur. S'il vous plaît, pouvez-vous m'éclaircir? Charlotte, merci pour la question. L'exemple qui me vient, c'est par rapport à mon tempérament. Moi, c'est vraiment des domaines qui me passionnent. J'aime prendre du temps à me découvrir, à me connaître. J'aime bien. Vraiment, je suis du genre à faire des tests. Enfin, moi, j'aime ça. Et quand je me suis rendu compte que mon tempérament était majoritairement consciencieux ou appelé encore mélancolique ou même les bleus, pour ceux qui connaissent un peu l'école des tempéraments, j'avais vu qu'en fait, ces personnes-là, les points sur lesquels elles doivent faire attention, ils sentent qu'il y a le côté trop perfectionniste, c'est-à-dire que c'est jamais assez bien, elles sont pas contentes, enfin, c'est toujours raison, elles mettent la barre très haute. Et du coup, quand une personne met la barre haute envers elle-même, elle va appliquer le même traitement envers les autres. Tu es là, tu as tué. Parce que encore, enfin, quand tu es seul, ça va, ça passe moins. Mais quand tu arrives à gérer une équipe en tant que manager, toute ton équipe, elle a bossé dur. C'est en réunion de débrief, là, tu es là. Ouais, c'était bien. Jamais assez pour toi. Mais il a manqué ça. Ils vont dire, mais oh, Oui. tu vois. Et donc, quand je me suis rendu compte que ce tempérament-là, en tout cas pour moi, c'était le cas, donc j'avais cité. Et puis, j'avais aussi le côté où vraiment, j'ai des gens qui n'aiment pas les imprévus, quoi. Vraiment, tout doit être voilà, préparé à l'avance, cadré. Et quand maintenant, j'avais relevé ça en moi-même, j'ai dit, on va y travailler. Donc déjà par rapport au perfectionniste, j'avais décidé d'apprendre à m'encourager, m'apprécier. Donc dans mon agenda par exemple, quand j'avais une semaine, j'avais un défi à relever et que j'avais atteint, pas forcément même à 100%, hein, je me mettais bravo par exemple. Je me mettais bravo, je m'offrais quelque chose pour m'encourager en fait. Tu vois? D'accord. Moi, je n'attendais pas que ça vienne des gens. Généralement, c'est bien, bravo à toi. Vraiment, c'est bien que tu as assuré. Et maintenant, par rapport au côté où je n'ai pas des imprévus, je me suis mis dans des situations pour être dans l'imprévu. Là où avant, j'aimais bien pour aller en voyage ou en vacances, prendre les billets 6 mois avant, là, de manière exprès, du genre, je prends le billet 2 jours avant. Tiens, là, je vais à Nantes, là, je vais à Lyon et là, je vais en Belgique. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Allô, un tel. Je t'annonce que je viens chez toi là dans 2 jours. Ok, tu vois, je prends le billet, j'y vais. Je suis même allé là-bas, même des endroits où j'ai pris un billet sans prendre le retour. Tu vois, et cela, ça m'a conditionné. Et même dans mes oraux, dans mes conférences, tu vois, j'ai aussi appris à pouvoir improviser, par exemple. À dire que là, tu vois, là, la séance qu'on a fait ensemble, là, pour l'interview. Avant, j'ai écrit, tu vois, je me serais posé, je vais dire ça, et après ça, et ça, et ça. Là, c'est non. Je connais le sujet, je Oui. note 2, 3 points, après, maintenant, je suis en parler, tu vois. Je me suis mise volontairement dans des cas comme ça. Comme ça, aujourd'hui, ben, si elle a prévu, ben, je suis déjà rodée, quoi. Je suis, ah, ok, bon, ma chérie. Voilà. Donc, voilà vraiment l'exemple des choses que tu peux travailler quand tu vois que non, là, c'est pas évident, quoi. D'accord. Bah, Charlotte, j'espère que tu as la réponse à ta question, que tu as eu des éclaircies. On a un très beau commentaire de Naturellement Vôtre que je vais afficher. Alors, bonsoir Francine, bonsoir Coach Bettina. Tu as beaucoup impacté ma vie. Je te suis beaucoup dans le silence. Bravo et merci pour tout ce que tu fais.
Bisous. Waouh. Sors du silence, sors du silence et fais-moi un petit massage, ça me fait plaisir. Et Le pourtant, massage. naturellement, votre n'est plus. C'est vrai que peut-être toi, de ton côté, elle t'a suivi en silence, mais elle également, elle est coach, hein, elle est coach elle est nutritionniste et justement, elle aide les personnes à prendre à avoir une alimentation saine, donc à Wow. perdre du poids sainement. Et donc, merci naturellement, coach Richie, merci d'être là aujourd'hui et Bah, tu peux bienvenue. m'envoyer vraiment, mais n'hésite jamais, tu sais, à écrire un petit message. Tu vois, on sait jamais, hein, tu peux aussi être aussi, enfin, aussi une réponse pour moi, hein, tu sais pas. Dans la vie, c'est ça les liens. Oui, Donc, c'est vrai aussi, c'est vrai. pour moi, Donc, coach Richie, tu as suivi. en tout cas, Il faut sortir du silence. elle a fait vraiment du Alors, bien. Elle a osé le faire d'accord. là. Oui. Salut. On a Alice Tobou qui dit se célébrer, c'est important. Yes. Effectivement, effectivement. Auteur à succès. Des best-sellers. Ici Alors, en France. qui ça? Nathalie Sou? Salut, oui. Ah! Ah d'accord, cool. Bah, peut-être tout à l'heure dans la partie parrainage, peut-être que tu vas nous donner son contact. J'ai accusé des gens. D'accord. De toute façon, on va arriver, nous n'en sommes pas encore là. On a Claude Flo qui nous dit coucou mesdames. Coucou Claude Flo, bienvenue à toi, merci d'être là. Alors là, on va passer à la troisième et dernière partie de notre émission parce que le temps commence à nous tenir à la gorge. J'aimerais qu'on parle de ton cabinet, qu'on parle un peu plus de ce que tu fais concrètement, comment est-ce que tu aides les gens. Dis-nous, parle-nous de ton cabinet, Bettina, s'il te plaît. Alors, dans mon cabinet, là, moi, ce que je fais de manière particulière, c'est que c'est beaucoup des formations, programmes qui sont sur mesure. Je mets, alors, nous, nos valeurs hein, au sein du cabinet et même du centre de formation, c'est authenticité, accessibilité, tu vois, être proche des gens. Donc, même dans mes programmes, même les programmes collectifs, je ne prends pas la foule parce que j'ai besoin d'être auprès de ceux que j'accompagne, en fait. Donc, je D'accord. prends des personnes, mais vraiment dans lesquelles je m'investis parce qu'eux également vont derrière aussi enfin, se reproduire dans leur domaine et de leur pays. Et donc, c'est des séances d'écoute. Alors, moi, chez moi, il y a trois volets. Il y a les personnes qui vont préférer avoir accès à des cours en ligne, digitaux, où là, ils vont aller acheter. Par exemple, là, j'ai sorti un coffret des finances, là, que j'ai appelé. Je reprends le contrôle de mes finances. Lui, par exemple, c'est un C'est coffret. ça? Non. Non, les finances. Tu vois, lui, Oui, c'est un coffret effectivement, que ça. j'ai conçu pour celles et ceux qui sont partout dans le monde entier, qui veulent juste avoir qui veulent avoir des cours vidéo avec des outils pour faire leur budget, pour gérer leurs finances, épargner, avoir des bonnes habitudes. Vraiment, moi c'est vraiment, j'aide les personnes. C'est pas juste un cours de comptabilité, non, c'est vraiment un cours où là, on va aller travailler au plus profond de toi pour que tu puisses vraiment avoir les bonnes habitudes pour gérer les finances. Donc, tu vois, ça, c'est tu viens, tu achètes dans une boutique en ligne et maintenant, après, quand tu as fini, on fait une session ensemble de 1 heure ensemble. Vraiment, je réponds aux questions. Donc là, il y a ça. Et puis aussi l'autre là que j'ai mis là sur l'histoire. Hein. En tout cas, c'est un exemple là. Lui, c'est un cours que je n'ai pas encore sorti publiquement. Certains ont eu l'occasion de le télécharger le jour de mon anniversaire, là, le 22 mars. Lui, c'est l'histoire, ma force. C'est 1 heure où je raconte, où je vous dis, où je vous raconte ce que moi j'ai vécu, moi, ici en France, entre autres, et comment je suis parvenue grâce à ces quatre faits à vraiment tirer le meilleur parti de mon histoire. Donc lui, vraiment, j'en parle en exclusivité parce que je ne l'ai pas, enfin, en tout cas, je l'ai pas encore sorti. Donc là, vraiment, ce soir, c'est l'exclusivité. Voilà. Donc il y a ça. Il y a des... Maintenant, il y a aussi les personnes qui préfèrent être en groupe. Tu vois, moi, Bettina, je veux, tu vois, des programmes collectifs. Donc là, il y a le programme, par exemple, des 40 jours, là, tu vois, que je lance là, du 1er novembre au 10 décembre. Donc, Effectivement. là, moi, chez moi, ça varie. Là, c'est 40 jours. Il y a quelques mois, c'était 6 mois. Ça va dépendre de comment. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est proche de mon audience. Donc, je vois un peu leurs besoins et ce qui peut aller, en fait. Donc, là, c'est 40 jours. Là, je me suis rendu compte que les personnes ont vécu le confinement comme nous tous et ça nous a vraiment tous chamboulés.
Et cette année-ci-là, ce qui est dans mon cœur, c'est d'aider les gens à être autonomes financièrement. Tu vois, on l'a vu récemment, hein, Francine, que tu peux avoir un travail, mais tu peux perdre le boulot comme ça parce que bah, c'est la crise ou autre. Donc là, c'est pendant le confinement, là, j'ai aidé au moins une centaine de personnes au total, entre janvier et septembre, à être indépendants dans leurs finances. Donc là, c'est qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et comment tu peux le packager, l'habiller pour que ce soit une réponse, une offre que tu vends aux gens. Donc, ce programme-là, c'est un programme qui est unique. Là, c'est un voyage de 40 jours. C'est D'accord. un nouveau rôle qu'on va prendre ensemble, un nouveau départ dans les finances. On va vraiment faire le point de vos talents, vos compétences, pour que vous puissiez dégager au minimum 2 à 3 sources de revenus avant la fin de l'année. Tu vois? Et Oui, aussi, maintenant, oui. on va maintenant aussi parler, mettre de l'ordre là-dedans pour que vous puissiez y voir clair. Donc, lui, là, il nous reste, je crois, 5 places. On est un groupe, quand je prends un groupe précis, on va bosser ensemble. C'est vraiment un accompagnement collectif, mais il y aura aussi un suivi individuel et personnel, d'accord? Et puis également, accès à toutes mes ressources, des cours en ligne. Et maintenant, enfin, il y a des gens qui préfèrent m'avoir, moi, toute seule. Donc là, c'est vraiment du coaching haut de gamme où là, on va. Donc, je vais d'abord écouter la personne, voir un peu c'est quoi son besoin et comment, en fait, ce qu'elle vit. Et maintenant, après, Et maintenant, après, je propose un plan d'action. Ça peut être sur 3, 6 mois, ça dépend des gens. Mais dans tous les cas, tout le monde passe d'abord par la case séance gratuite pour que je puisse voir un peu qui est la personne et comment je peux l'aider. Oui, Voilà. d'accord. C'est vraiment ça le monde. Donc là, c'est. Mais en tout cas, là, ce qu'au four, là, c'est ça. C'est les 2 coffrets et ce programme de 40 jours. De Maintenant, 40 on jours. ne pas, sinon, j'ai. Passe à l'action. Lui, c'est mon programme qui est phare, que je lance une fois par an au minimum. Lui, c'est aider les gens. C'est un parcours pour aider les personnes à entreprendre. Là-bas, on voit tout, 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 de l'idée au projet, en passant par les finances, par tout ce qui est vraiment se connaître, quoi. Donc là, j'ai fini la promotion 4, là, non, 5 en juin. Et je pense que je serai, je pense, en mars prochain. D'accord, À d'accord. voir. OK. Mais dans tous les cas, pour ceux qui ont des questions, qui veulent en savoir plus, je pense que j'ai. Alors, il y a un téléphone qu'on peut vous afficher Oui, qui est là. justement, c'est ce que j'allais dire pour contacter, pour te contacter. Sous WhatsApp. Voilà, sous WhatsApp. Écrivez-moi un petit message. Voilà, Bettina, j'ai vu le live avec Francine. Voilà, je suis intéressée, je ne sais pas, par telle ou telle chose. Et puis voilà. Et puis aussi, D'accord. ma mail, hein, contact@bettinamas.com. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà un OK. petit peu. Et là, pour ceux qui sont en France, en tout cas, mon centre de formation agréé vous permet aussi de faire des formations avec moi, avec votre quota d'heures de formation auquel chaque citoyen en France a droit. Donc, le CPF. Donc, ça, c'est vraiment nouveau. Ça fait, Ah. j'ai vraiment, il y a 2 semaines, deux ou 3 semaines de Wow. compte. Donc là, Bah, à partir de félicitations. 10 heures de CPF, je peux vous former également, moyennant ces heures-là, en fait. D'accord. Wow, félicitations à toi. Et on le voit également avec toi. Quand tu atteins un niveau, on veut toujours aller plus. Tu cherches toujours à apprendre, toujours à aller un pas un peu plus haut. Félicitations à toi pour tout ce que tu fais. Merci pour de motiver autant de personnes. Et voilà, comme je t'ai dit, j'ai été, c'est Daniel. Daniel, oui, Daniel qui m'a parlé de toi et j'ai regardé, je suis allée sur ta page, j'ai regardé directement, je me suis identifiée, j'ai été fascinée, j'ai dit, waouh, absolument, il faut que que tu viennes en spotlight et je suis très heureuse qu'aujourd'hui, on ait pu concrétiser ça vraiment. Merci, merci infiniment. Et il y a également ton site web, donc vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur le Voilà, site. un onglet ressources aussi, il y a plein de choses à voir là-bas, vraiment, c'est des choses intéressantes. Je ne sais pas s'il y a d'autres liens de mon Instagram ou autre, bon, je ne sais pas si tu l'as prévu là, mais j'ai Non, également je n'ai pas prévu, mais c'est Bettina Mas. Betty Mas, Betty et puis le Bettina Mas. tiret du bas, Mas, Oui. Instagram. Donc, on peut te suivre sur Instagram, sur LinkedIn, c'est ça? Oui, sur LinkedIn, B.Mas. Et sur également sur Facebook Sur aussi. Facebook, oui, Je suis surtout effectivement, sur, OK. sur Facebook, Bettina Mas, cabinet de conseil, sur OK. Instagram,
Betty Attends. Mass, et sur LinkedIn aussi. B.mass. Un Voilà. instant, je crois que j'ai ça rapidement Oui, à je te portée de l'envoie. main. Tu m'as envoyé ça justement. J'ai pris. Merci Nathalie, merci Olivia. Merci Clofo qui nous dit oui, le COVID est une bonne occasion de se lancer à son propre compte et c'est bien d'avoir le coach pour accompagner et raccourcir le trajet. Merci. Oui, effectivement, le Covid, ça a été. Bah, moi, je le dis, hein, franchement, là, 2020, c'est ma meilleure année. Hein. C'est vraiment ma Aussi. meilleure année. J'ai Oui. vraiment. Et pour beaucoup de personnes autour de moi, ça n'a pas. Je veux dire, beaucoup de personnes se sont plaint, oui, les activités se sont arrêtées. Mais ça a été, d'un autre côté, une grande opportunité pour certaines personnes. Toi, tu as dit, tu as pu vraiment travailler. Tu as trouvé le temps de pouvoir travailler et de structurer tes formations. Et moi également, j'ai pu. En tout cas, c'était une aubaine. C'est ma meilleure année jusqu'ici, vraiment. Pareil, D'accord. Alors, je vais poster rapidement les liens. Oups. Désolée, j'ai mon cahier qui est tombé. Alors, je vais poster rapidement les liens de tes pages Facebook, Instagram et LinkedIn. J'ai posté en commentaire. Oups, non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. là, c'est bon, Flash, c'est bon. C'est Oui. bon. Ah, mais les Non, liens ne sont pas cliquables. OK, mais de toute c'est bon, façon. c'est bon, bon. Non, c'est bon, c'est bon. Sur C'est bon? le chat, c'est bon, oui, c'est bon. Ah, d'accord. OK. Sur le chat, OK. c'est cliquable. Je Super. comprends. Super. Alors, Nickel. c'est cool alors. C'est cool. Oui, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a fait, on a fait le tour. Avant de passer à la dernière, toute dernière partie qui est le cadeau. Partie que j'attends avec tellement, avec toujours beaucoup d'impatience. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, voilà, on va passer à la dernière partie dans Bettina. À notre à Spotlight, on a une tradition. D'accord. Pardon? Non, Vas-y. parce que les gens aussi doivent avoir le temps d'écrire. Hein. Tu sais comment fait Facebook, des fois c'est un peu long, donc je pense que c'est en train Oui, c'est d'écrire. vrai. Montrer, oui, on peut avancer aussi, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, comme je disais, on a à Spotlight deux traditions. La première, c'est la tradition du cadeau. Et nos amis attendent toujours, moi en particulier, j'attends toujours cette partie avec beaucoup d'excitation. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu as prévu comme cadeau pour notre communauté? Alors, comme cadeau, j'ai. Ah, j'ai une question OK. là. Tu veux y répondre d'abord alors et puis après on va passer à la dernière partie. Il n'y a pas de OK. souci. Clo-Flo, quel est ton plus grand challenge en entrepreneuriat? Le plus grand challenge, il y en a plusieurs, mais je pourrais dire, mon plus grand challenge a été le, enfin, flow mindset, la manière de penser. Oui. Parce que j'ai eu à me rendre compte qu'on peut avoir tous les grands talents du monde entier, on peut être expert dans son domaine, mais si on ne renouvelle pas constamment sa manière de penser, on va être limité en fait. Et moi, dans mon cas, comment cela s'est traduit? Ben, par exemple, quand tu mets tes prix au début, voilà, ça va lier même aussi au syndrome de l'imposteur, où tu vas souvent te saboter en fait. Tu dis, ah, ben, tu prends tout ce qu'on te donne, tu dis, c'est bon, ça va aller. Entre nous, on s'arrange, on se débrouille. Et donc, du coup, il faut. Ça m'a demandé de le reconnaître et vraiment de travailler là-dessus. Donc, vraiment, enfin, de l'importance aussi d'avoir des coachs et puis des formateurs qui te challenge, qui te montrent que non, tu peux aller plus loin. Et du coup, ça m'a aidé à franchir aussi un cap. Là, je parle d'agrément, mais c'est une dame qui m'a aidée. Elle est formatrice depuis des années. Elle m'a dit, Bettina, tu peux avoir plus, tu peux faire mieux. Ça fait au moins 2 ans qu'elle m'a parlé, Bettina, il faut. Je dis, bon, j'en ai marre, viens, on le fait, quoi. Donc, D'accord. on s'est pris 1 an. Avant, là, il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Elle m'a aidée là-dessus. Et après, j'ai lâché. Elle m'a encore repris pendant le confinement. Et puis, elle a bossé. Tu vois, donc, c'est ça. C'est vraiment, ça a été ça. C'est ça, la manière de penser, c'est constamment se dire que si je veux un tel résultat, je dois d'abord m'assurer que tout en moi est prêt à l'atteindre. Accueillir Sinon, ce résultat, en ça fait, me détruire. effectivement. Sinon, ça me détruire. Tu Oui, vois? Il oui. faut être sûr qu'il faut un équilibre intérieur-extérieur.
Sinon, quand tu vas aller loin, ton caractère va te rattraper parce que tu n'es pas. Oui, c'est vrai que quand on demande, c'est aussi quelque chose de très que j'ai appris. Quand tu demandes, il faut aussi être prêt à recevoir. Parfois, on demande, on demande, on demande, mais nous-mêmes, intérieurement, on n'est pas encore prêt à recevoir ce qu'on demande, en fait. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve aussi fascinant que de voir que des personnes qui nous motivent, des personnes qui sont nos modèles, ont aussi, au final, les mêmes peurs, les mêmes problèmes que nous. Parce que quand tu dis, il y a le confinement, tu as dû prendre aussi encore toi-même aussi un coach pour pouvoir régler certaines problèmes de mindset que tu avais. C'est franchement, je pense que oui, c'est encore, j'adore, vraiment, j'adore. C'est cool, c'est super. Alors, D'accord. on a... Oui, tu voulais dire? Ah, il y a une question. Oui, on a une autre question de Ophélie Oudimbo. Mais je pose la question alors que toi-même tu es dedans. Tu es dans mon cercle, tu es dans mon équipe de Non, elle veut que formateurs. tu partages avec nous. Elle Non, j'ai compris, j'ai compris, veut j'ai que tu compris. partages avec nous. Donc, dis-nous comment ça va, ça va peut-être, Dis-moi ça va mon nous temps aider, ça va m'aider, ça va aider les autres. et mes équipes. J'ai d'abord défini ce qui était important pour moi, définir notre mes priorités, à savoir que voilà, que vous savez, dans la vie, on a tous des choses pour lesquelles on met du temps. Même quand tu dis que non, j'ai pas le temps, non, non, non. En réalité, ton temps, tu l'accordes toujours à quelqu'un ou quelque part. Ouais. Donc, j'ai défini pour moi ce qui était important. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai besoin d'avoir des gens qui me tirent par le haut. J'ai quand même besoin d'avoir des gens avec qui on s'automotive, donc on est au même niveau d'avancement, mais j'aime aussi tirer d'autres personnes. Donc là, Ophélie qui parle, c'est une de mes clientes qui a fait le programme Passe à l'action il y a, je crois que c'était l'édition 1, il y a peut-être 3-4 ans, 3 ans, je crois, il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle est un de mes piliers formateurs dans le, enfin, de mes programmes. C'est-à-dire qu'elle aussi, et puis toi, vous dire que je forme quelqu'un, en fait elle grandit, elle évolue, et Et puis, puis vous travaillez je ensemble. lui donne la place pour, voilà, pour le faire, en fait Oui, tout oui. lié à son domaine. Donc quand D'accord. j'ai je sais ce qui est important pour moi. J'ai enfin j'ai ma foi, j'ai mon Dieu, là c'est vraiment en numéro un. Après j'ai ma famille, pour moi qui est important. J'ai les personnes voilà, que je fais grandir, que je coach, que j'encourage, tu vois. Puis après, maintenant, il y a toute la foule après, tu vois. Donc, Ophélie, forcément, elle aura plus accès à moi qu'une personne que je ne connais pas, qui est la foule, tu vois. Donc, c'est vraiment avoir aussi un cercle là comme ça. Mais en tout cas, dans le quotidien, je pense qu'il faut d'abord se connaître. Et aussi savoir un peu les périodes où on est bon ou pas. Moi, je sais que moi, le matin, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que le matin, c'est le temps où je médite. Franchement, il faut pas me parler de... Non. Par contre, le soir, je bosse très bien. Tu vois? Pour ça, il a fallu que je me connaisse. Donc, le matin, c'est le moment où je me ressource, tu vois, dans mes temps de recueillement personnel. J'en ai besoin, tu vois? Mais Oui. donc, mais le soir, vraiment, quand tout est calme, là, j'aime. Le soir, Là, là, tu es je vraiment créative et puis... créative, tu vois, j'ai aucun problème. Donc, vraiment, je pense qu'il faut se connaître pour voir un peu les temps où là, j'excelle, ou d'autres, là, il n'y a rien à faire, quoi. Tu vois, donc là, ce n'est pas faire comme tout le monde fait, c'est faire ce qui te convient, toi. À toi, Et puis, effectivement. aussi, il y a aussi l'art de déléguer. Je n'aime pas être quelqu'un qui garde tout pour elle en secret, quoi. Non. Des gens que je vois, si je vois en toi quelqu'un qui a un potentiel, je vais te prendre par la main, te permettre de grandir et tout, vraiment te faire gagner du temps par rapport à ce que moi j'ai appris. Donc, du coup, ce sont les gens qui sont autour de moi. Aujourd'hui, sans eux, je n'aurais pas pu faire ce que je fais là. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une équipe pédagogique avec tous mes anciens clients qui sont quasiment tous là pour la plupart, tu vois. Et puis, j'ai aussi une équipe fonctionnelle. Oui. Chacun a un rôle précis, tu vois. Et donc, ça aide aussi à aller plus loin. Et chacune, au départ, était une cliente. Tu vois? Était une cliente. Je l'ai encouragée, ils ont grandi. Aujourd'hui, elles sont toutes entrepreneurs. Mais Oui. même entrepreneurs, et c'est quand même là aussi au service de ma vision. Effectivement. Donc, Oui, et c'est puis un... ça,
Oui, puisqu'en travaillant justement, quand tu te rends compte que il y a une personne qui cadre bien avec ta vision et que vous pouvez travailler ensemble, c'est très bien. Et j'apprécie ça aussi. Beaucoup de personnes pensent parfois que quand on est dans une activité, on ne veut pas, on veut tout garder pour soi, on ne veut pas partager. Et pourtant, je pense qu'en partageant, on grandit même soi-même, on fait grandir les autres. Et quand les autres évoluent également, ça te fait également toi aussi Ah oui. grandir. C'est une fierté, c'est une fierté. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, oui, Bettina, je veux que tu m'accompagnes sur tel domaine. En tout cas, franchement, moi, en tout cas, je ne pouvais pas le faire moi. Ben, j'ai dû déléguer ça à un de mes collaborateurs. J'ai dit, écoute, un tel, j'ai telle demande. Est-ce que tu peux le faire? Il m'a dit, oui, je peux le faire. Il a appelé. Et puis, c'est un contrat pour lui, en fait, parce que je l'ai vu à l'œuvre, je le connais bien et j'ai recommandé. Tu vois? Oui. Donc, mes clients en général, ils sont aussi pour moi un réseau, un vivier où chacun d'eux, je leur donne des choses par rapport à leur domaine de compétences. On a un groupe qui fait qu'on appelle Bettina Mas Connexion, où là, j'imite tout le monde là, et puis je suis heureuse de les voir évoluer en fait. Pour moi, c'est une fierté. Ils sont dans tous les pays du monde entier, chacun a ses propres enfants, enfin, ses propres clients. C'est très bien comme ça. Parce que je pense que le monde, parce que je pense que le monde, on pense seulement changer quand chacun de nous. Fait sa part quoi. Moi, je peux pas atteindre les contrées lointaines, mais chacun là où il est peut faire la différence. Oui, d'accord. Il y a justement Nina. Oui, Nina dit Nina, quoi? elle m'a dit ça en off. Elle t'admire énormément. Elle te vénère pratiquement, je vais dire. Et elle me demandait que, oh Francine, est-ce que tu penses que tu peux me donner le contact de Bettina? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Je lui ai dit. Justement, je lui disais que oui, ça va pouvoir se faire. Et donc, je suis très contente qu'elle soit. Ah, Oui, vas-y. Nina également, elle est consultante en finance personnelle. Elle suit des gens et elle fait également un travail exceptionnel. Franchement, je suis très admirative. Et Est où? Elle est en France aussi? elle est En en France? France également. Oui, elle est en France aussi. Ah, je ne te connaissais pas, Nina. En tout cas, enchantée. Non, je pense que je vais lui passer dans ton contact et puis Oui, vous allez nous avons la échanger. nuit là, donc c'est un requête public, il n'y a pas de souci. Hein. Je vraiment D'accord. juste, mais OK. qui ne veut pas à minuit, quoi. Non, je pense pas. Nina n'est pas comme ça. Non, pas elle, je parle à tout le monde. Je parle à tout le Ah, monde. d'accord. Alors, il y a également Monsieur Tétiré qui dit, je vous apprécie, madame, c'est du Merci bon. beaucoup, monsieur. Oui. Merci infiniment. Et Daniel qui est là. Oui, Daniel, merci. Daniel, tu es là, Merci, merci, Daniel. merci. C'est Merci grâce beaucoup, à toi que j'ai fait la Daniel. connaissance Laisse en toi, de soit. Bettina. Laisse en toi. Daniel, vraiment. Super. Super. Donc, merci Alain. Le partage de connaissances ne peut que faire quand j'ai le réseau. Oui, tout à fait. Oui. Moi c'est mon rêve. En tout cas, pour moi, c'est une passion. C'est que chaque personne ait la réponse à son besoin. Et je pense qu'on a un réseau, chacun. En fait, moi, ça, c'est vraiment. J'avais ça à cœur, c'est de se faire, de mettre vraiment cette banque de compétences-là. Donc, c'est un groupe où chacun, on sait qui fait quoi, qui aime faire quoi. Quand j'ai un besoin, moi, je ne peux pas le faire. Je dis, un tel, prends le contrat, fais, gère, enfin, on est ensemble, en fait. Et ces mêmes personnes-là aussi m'aident également parce qu'ils adhèrent à la vision et puis ils m'aident aussi à la propulser. Donc, je pense que quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur, c'est la vérité. Ce n'est pas lui, moi je règne. Non. Non, C'est non, non. quand tu crées comme ça, tu fais des personnes partout. C'est là où Oui. tu. Franchement, demain, tu peux partir de la terre là. Au moins la vision demeure. D'accord. Donc, du coup, Super. le cadeau, en fait, le cadeau, donc, c'est je vous offre un e-book que j'ai écrit il y a je ne sais plus combien de temps. Ça s'appelle 34 leçons que la vie m'a apprises. C'était D'accord. donc en référence à mon âge il y a un an. Et donc, je l'ai écrit suite à un problème de santé que j'avais eu, qui m'a vraiment fait, enfin, pour lequel j'ai vraiment failli perdre la vie. Et franchement, le fait que je sois encore en vie, ça m'avait tellement chamboulé, tellement bousculé, tellement marqué que j'ai dit non, je dois écrire un livre, quelque chose là-dessus. Donc, j'avais fait ça un petit bilan de ce qu'en tout cas de mes années déjà vécues. Donc là, c'est que la vie m'a apprise, où là, c'est des clés qui vont vous aider
à relativiser, vous aider à avancer, qui vont vous aider aussi à aller de l'avant. Donc, c'est D'accord. gratuit pour vous. Lisez-le et puis je pense que vous aussi, amusez-vous aussi à faire ça dans votre vie. Par rapport à ton âge, si tu as 40 ans, tu dis voilà, quelles sont les leçons que j'ai apprises en 40 ans? C'est bien. Comme ça, Oui. moi, tu fais un petit récap. Voilà, un petit récap, quoi. Et puis, c'est voilà. En tout cas, moi, D'accord. c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, c'est un cadeau. D'accord. Oh, super. Merci. Merci infiniment. Je vais publier le lien. Tu m'as envoyé Merci. deux liens la dernière fois. Ah, j'en envoie deux? Ah, Oui, ben, tu m'as deux cadeaux. envoyé deux liens. Cadeau, alors. Il faut que je voie, que je Donc, ah, c'est pas impossible parce qu'il y a, il y a ça et puis il y a aussi l'autre e-book pour apprendre aux personnes à accroître leur revenu. OK. Voilà, c'est ça. Ça, c'est voilà, ça, c'est le cadeau, c'est celui-là. C'est en quatre leçons. C'est ça que la vie m'a apprise. D'accord, super. Donc, vous avez le lien là. Allez, allez télécharger ce Gratuit. livre. Je suis sûre que il est Gratuit. gratuit, justement. Je suis sûre qu'il va aider plus d'une personne. Moi également, je vais le télécharger parce que j'ai besoin. Je veux apprendre de toi. Tout à l'heure, tu as parlé d'un groupe connexion. Et moi, j'ai une question. Ça, c'est une question personnelle pour toi. Tu as parlé de ton groupe connexion. On fait comment pour être dans ton groupe connexion là? Alors, ok, Moi, ça m'intéresse. Je veux être dans ce groupe. Comment est-ce qu'on fait? j'ai deux groupes. Il y a le groupe Connexion où là, c'est les gens qui ont eu à faire appel à mes services ou mes produits. D'accord. OK. Là, c'est Connexion. Et puis, il y a le groupe Ma vie va compter où là, c'est toute personne qui veut être connectée à moi et à mon équipe au quotidien et veut D'accord. vraiment faire la différence dans ta vie, ton quotidien. Ce groupe-là est pour toi. Là-bas, c'est OK. vraiment. Moi, ce groupe-là m'a permis, et à moi et puis à d'autres gens même que je connais, hein, qui même aujourd'hui sont très connus, c'était vraiment un groupe où les gens ont pu se former à faire des vidéos, des lives. C'est un partage d'expérience, quoi. Donc, D'accord. le lien, je ne sais pas si je peux l'avoir là tout de suite. Tu as dit Donc, c'est ma vie va compter, hein. c'est ça, c'est un groupe Facebook privé. Il est comme connexion. En fait, c'est juste que connexion, ce sont des gens qui ont déjà fait appel à mes services. Donc, du coup, là, c'est, tu vois, Oui, oui, ils oui. ont déjà une C'est avance parce normal que. qu'ils aient aussi un groupe à eux. Je veux dire qu'ils se sentent que ce soit exclusif pour eux. C'est normal, je comprends bien. Alors, ma vie va compter. Voilà, c'est ça. Comment je fais pour le lien partager? On a des gens qui te disent ah, merci pour le cadeau. Raïssa qui te dit merci. Alain Patrick qui te dit merci. De rien. Et Est-ce qu'en plus, Olivia? Odiva, elle est dans mon équipe. Donc, en tout cas, merci Ah oui, d'être là. justement, elle dit le Et livre est top, donc elle a déjà lu et ah oui, elle le elle a lu recommande. dès le début. Oui. Est-ce qu'en plus, savoir un peu les pays où vous êtes les uns les autres? Alors, À part. dites-nous dans les commentaires si c'est vrai qu'on n'a plus assez de temps vraiment, mais dites dans les OK. commentaires. De toute façon, les commentaires vont rester et il y aura le replay qui sera aussi sur notre page YouTube. Que je vous invite également à aller, s'il vous plaît, liker notre chaîne YouTube. Vous avez là-bas la possibilité d'avoir accès à tous nos replays. Est-ce que j'ai été une bonne élève et j'ai mis le lien de notre page YouTube? Non, malheureusement pas. Good. OK, la chaîne YouTube, elle s'appelle Spotlight TV. Je vais poster. Le lien de groupe Facebook. Voilà. Là, regarde, on a Alain qui nous suit depuis la La Suède. Suède. Oui. Merci Alain d'être là. Coucou à toi depuis la Suède. Alain nous suit régulièrement Allemagne. et ça fait plaisir. Je commence à connaître les noms et les gens qui nous suivent À régulièrement. Monsieur Téterès, lui, c'est en Allemagne. Je le connais aussi. J'attends toujours ta venue à Berlin, hein, Alain. Donc, il ne faut pas passer à Berlin sans me faire un coucou. Et Nina également, Nina à Paris. Oui, Nina, on s'est rencontrés aussi grâce à Daniel, mais finalement, Daniel, c'est un centre de connexion. Daniel également, on a déjà assisté à un séminaire de Daniel à Paris, et Nina était également là, et on a fait la connaissance, on s'est rencontrés, et on est resté en contact jusqu'à aujourd'hui, et je suis
Très contente. Vraiment, c'est le genre de connexion qu'on ne. Je veux dire, le contact, on se rencontre une fois, ça match, et puis après, vous soutenez, vous évoluez ensemble, et ça fait vraiment plaisir. Waouh. Ça fait plaisir. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai mis le lien du groupe là. Oui. On a Le lien du Pierre. groupe. Ah oui, c'est là. Hein? D'accord. Donc il est OK. cliquable hein, sur le chat. Voilà. Oui, Voilà. je vais y aller. Je vais y aller. D'accord. Oui, Alain, je t'attends. Je t'attends à Berlin. Il y a Raïssa, ma soeur, qui nous suit aussi. Elle est à Berlin ici avec moi. Et on a Pierre également qui nous dit qu'il est à Berlin. Pierre également, c'est un membre de l'équipe What is Mind. Et c'est, en tout cas, les choses arrivent bientôt. Vous allez entendre Ah, plus parler de lui dans quelques semaines. wow, Alors. Oui, je disais également qu'on a une chaîne YouTube, s'il vous plaît, les amis, ce serait bien. Voilà le lien que je viens de poster. Je crois que je viens de le poster. Oui, je l'ai posté. Donc, allez, s'il vous plaît, vous abonner à notre chaîne. On remet les replays de nos émissions sur cette chaîne-là et vous pouvez regarder ces émissions autant de fois que vous le voulez, quoi. Alors, on va se séparer de toi, mais on a encore notre dernier. Merci déjà. Je sais que j'ai déjà abusé de ton temps. J'ai beaucoup abusé de ton temps. OK. On a encore la dernière partie qui est le parrainage. J'ai besoin, s'il te plaît, que tu nous cites quelques personnes que tu aimerais recommander pour notre émission, des personnes vers qui je pourrais aller demander à passer à l'émission Spotlight. Qui est-ce que d'accord. tu aimerais parrainer? Alors, je te recommande Christelle. Christelle, non, elle est connectée aussi. Christelle, elle fait dans les finances personnelles et professionnelles. Elle aide les gens à lancer leur activité, donc sur la partie financière, faire le business plan. Mais vraiment, elle a un autre regard de ça qui est intéressant. Qui est intéressant. Christelle, donc, elle habite à Lyon, en France. Il y a Sandra qui est connectée. Elle est juriste. Elle aide également les entrepreneurs à se lancer. Donc, on les conseille sur leur activité, savoir quel statut juridique prendre, qu'est-ce qui est adapté à eux. Et faire un travail qui est Elle est en énorme. France, c'est ça? Elle est en France. Super, je pense quand j'entends déjà juriste, je pense aussi directement à quelqu'un ici, à un invité qu'on a eu sur notre émission, qui est également juriste et qui aide aussi les personnes en Allemagne. Je pense que les deux pourraient être. Il était là connecté aussi à un moment. Est-ce qu'il est Normalement, encore là? la commentaire. Joseph Nguematia. Pardon? Sandra, tu peux mettre un commentaire, s'il te plaît. Non, je demande à ceux qui sont là. Sandra, tu peux mettre un commentaire pour qu'elle te repère, qu'elle te voit. Ce Ensuite, serait vraiment intéressant d'avoir ces deux connectés. Ce serait très bien. un Oui? homme pour changer, Super. Fabrice Cochou, qui est aussi en France. En tout cas, ils sont tous en France, hein, qui est en D'accord. France. Et lui, il aide les gens à s'organiser, à organiser les choses, à planifier. Donc il a également une structure qui s'appelle Self-Discipline. OK. Il a aussi une base qui est les finances, mais il vraiment se pousse là où il aide les gens à s'organiser, à organiser leur quotidien, à être productif, en fait. D'accord, super. Ensuite, on va avoir deux autres personnes. Donc là, on va aller en Suisse et puis après au Congo. La Suisse, donc, on a Marthe Larissa, qui est en Suisse. Et elle, c'est une championne vraiment du mindset aussi. Enfin, mindset. Elle aide les personnes qui veulent à être épanouies dans leur boulot, en fait. Vraiment à trouver leur voie professionnelle. Et puis, elle D'accord. t'apprend des points sur toi-même pour que tu puisses vraiment discerner comment tu peux vraiment habiller tes compétences au boulot et être dans une personnelle qui te correspond, toi. Et pas autre. Et après, donc, on a Adriana qui est au Congo, Brazzaville, au Congo Pointe-Noire, mais bon, c'est quand même le Congo. Et elle aide le mindset. Elle va vraiment t'aider à. Elle vraiment. Waouh, franchement, j'ai tout suivi en live là. Et. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle te secoue, en fait. C'est une Oui. motivatrice. Motivatrice. Sur Super. le mindset. Elle va vraiment aller déboulonner là le truc qui bloquait, qui disait que non, franchement, elle passe. Oui, ce bouton qui est, il faut, oui. Là, je les ai vus à l'œuvre, je les ai suivis sur la longue durée. Je peux attester de leurs compétences, de leur expertise, de leur sérieux. Voilà pourquoi je le recommande. Je suis vraiment D'accord. quelqu'un qui aime bien mettre en avant des gens qu'on ne connaît pas encore. Voilà, ça Oui, c'est ma oui. à moi, c'est un fardeau à moi. Donc, vous pouvez. Oui. Non, voilà, C'est aussi je ça. voilà. C'est aussi pour ça, pour Spotlight. La plateforme est là justement
pour mettre, on a tellement de personnes dans notre communauté africaine, beaucoup de personnes qui font de belles choses, mais on ne les connaît pas toujours. On connaît quelques grands noms, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de se découvrir, qui sont en train de se réaliser et qu'on ne connaît pas encore. Et Spotlight également, c'est aussi une plateforme pour pouvoir donner un peu de visibilité à ces personnes à notre niveau. Nous ne sommes pas encore une grande plateforme, mais on est en train d'évoluer et on permet aussi donc à des personnes qui ne sont pas encore visibles de pouvoir atteindre de nouvelles cibles, un nouveau public, quoi. Tout à fait. Alors, on a naturellement vos qui ont dit merci Francine, bravo pour l'émission, D'accord. c'était génial. C'est comment ton prénom, c'est comment? C'est comment C'est son. Richie, c'est coach, c'est naturellement vous, elle s'appelle Richie. Richie Ah, Folesta. je connais Richie, ça me dit que Richie, si, on s'est déjà parlé ou vu. Oui, ça me dit quelque chose. J'ai vu le Richie, droit à oui. un événement Voilà. sûrement, je sais pas. En tout cas, Moi, ça je me parle. l'appelle coach Richie. J'ai pris un programme également. Je ne sais pas, peut-être les gens ont remarqué, depuis, entre la première émission, les trois premières émissions et maintenant, je suis devenue un peu plus fine. Ah Effectivement, parce ok, que j'ai donc suivi. c'est quoi. Oui, j'ai Waouh. suivi un programme de coach Richie et ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Et oui, coach, je dois encore te donner, de te faire une, comment on dit, comment on l'appelle, une revue sur ton site. Je vais le faire, je n'ai pas oublié, je vais le faire. Merci à toi également pour ce que tu fais. Pour ton programme et voilà, merci. Alors, merci Bettina, vraiment, je suis très heureuse que qu'on ait pu faire cette émission et c'est l'une des plus belles émissions que j'ai réalisées jusqu'à présent. Elle a été interactive, elle a été superbe, j'étais très à l'aise et tout ça aussi, c'est grâce à toi. Je suis infiniment reconnaissante. Wow. Donc, voilà, comme mot de fin, avant de te laisser partir, qu'est-ce que tu veux dire à nos personnes, à nos amis qui nous regardent? J'aimerais vous dire, chers amis, d'où que vous êtes, peu importe votre parcours, votre passé, ce que vous avez vécu, sachez que vous êtes la réponse à un problème sur Terre et la solution. Vous êtes la réponse à une question et la solution à un problème. Et tout à l'heure, tu m'as demandé, Francine, qu'est-ce qui m'a aidé à me lancer, toi et tout. C'est quand j'ai pris conscience, quand j'ai pris conscience que je ne suis pas sur Terre par hasard, je ne suis pas sur Terre pour faire de la figuration. Je suis pas sur. En fait, je veux dire quelqu'un que peu importe que tes parents même étaient désirés ou pas, peu importe si tu es là, c'est que tu es la réponse à une question et la solution à un problème. Donc, lève-toi maintenant et décide d'avancer. Peu importe ce qui s'est passé hier, ce que tu as pu faire ou pas faire, décide d'avancer. Quelqu'un, quelque part, attend que tu te lèves. Chacun de nous, vous savez, là, je vous ai cité les finances. Daniel parle d'argent, je parle d'argent. Nina parle d'argent, Fabrice parle d'argent, Christelle, pareil. Il y a aussi Héloïse qui parle d'argent que je connais. Vous voyez, mais chacun va avoir sa particularité à lui, en fait. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont plus être marquées par toi parce qu'il y a comment tu vas parler, il y a ton vécu, il y a ton parcours. Donc, il y a une grande place, il y a un grand boulevard qui est là. Et la place, ta place, t'attend juste en fait. C'est tout. Effectivement. Lève-toi et passe à l'action. Tu es légitime dans ce que tu fais. Parle de ce que tu sais faire. Parle-en au monde entier. Et ceux pour qui tu as la réponse viendront vers toi. Les autres, c'est pas grave. Ils passeront leur chemin. Je crois en vous. Je croyais en vous. Et vraiment, c'est un immense plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Si tu peux juste encore mettre le numéro, Francine, s'il te plaît. Oui, Moi, avec plaisir, attends. on pourrait échanger ensemble. Et vraiment, pour ceux qui Voilà. veulent faire 40 jours là, je vous dis, préparez-vous à connaître un changement. Il y aura un avant et puis un après. Voilà. Donc, il reste Super. 3 semaines. Prenez-les, venons et travaillons ensemble. Préparons 2021 maintenant. N'attendons pas demain. C'est maintenant. Maintenant. D'accord. Passe à l'action. D'accord. Alors, merci, merci infiniment. Ah voilà. Adriana, c'est l'une des seules que j'ai recommandées qui est à Kinshasa. Qui est au Congo, après. D'accord. Oui, Donc. j'ai vu Adriana tout à l'heure. Et c'est la Oui. championne du c'est une motivatrice hors pair. Et puis il y a également Marc Larissa qui est là, qui est en Suisse.
C'est vraiment des personnes que j'ai vues vraiment. Voilà, je les ai vues prendre leur envol là et elles déménagent, comme on dirait dans un langage donné. Non, vraiment, c'est pas normal. Elle casse tout. Super. On a Nina qui te dit belle conclusion. Merci, Bettina. Et nous également, on te dit, moi également, je te dis merci, Bettina, vraiment. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir fait passer un si bon moment. Et voilà, on va se séparer de toi. Moi, je vais rester conclure l'émission avec nos spectateurs. Donc, je te souhaite de passer une bonne fin de soirée et excellente semaine. Merci, merci à tous, à bientôt. D'accord, au revoir. Je suis. Merci, je ne peux que dire merci. Je suis reconnaissante de ce beau moment passé avec Bettina, vraiment. Ça a été un très bel échange. J'espère que vous avez aimé. Je veux dire, j'ai envie de dire à votre place que je sais que vous avez aimé parce que vos réactions, vos questions, vos interactions, c'était magnifique. Merci à vous également, les personnes qui ont pris de leur temps pour se connecter. Et merci, 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 merci. Donc, on va rappeler le cadeau que notre coach Bettina nous a donné, nous a offert. Il s'agit d'un livre qu'elle a écrit qui est Les 34 leçons que la vie m'a apprises. J'ai publié le lien. J'ai publié le lien de ce livre, mais on va encore le publier sur une autre page. Donc, allez télécharger le livre. Les personnes qui sont intéressées au programme de Bettina, vous avez son contact, son WhatsApp. Voilà, vous pouvez la joindre directement à travers ce WhatsApp. Et le programme commence le 1er octobre, je crois, le programme de 40 jours. De toute façon, toutes les informations, vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur son site web. Bettina Mas, ou alors vous écrivez par mail. Anyway, vous avez vraiment tous les contacts. Ce sera encore publié sur une autre page, tous ces contacts-là. Et voilà. Moi, je vous dis merci, merci infiniment. Merci, Larissa. Oui, merci, merci. Merci, Larissa, d'avoir été là. Merci, Alain Patrick, d'avoir été là. Merci, Nathalie. Ça a été un plaisir de vous avoir. Oui, Nina, justement, le replay, comme j'ai dit, c'est sur une autre page, c'est sur une autre chaîne YouTube. Donc, tu peux regarder le replay de cette émission. Et sur cette chaîne-là, il y a également le replay de toutes les autres émissions. Ah oui, Bettina nous dit que c'est le 1er novembre. Ah oui, excuse-moi, octobre, nous sommes déjà en octobre. C'est le 1er novembre, en fait, jusqu'en décembre, le programme de 40 jours, jusqu'au 10 décembre, justement. Oui, effectivement. Donc, merci à vous les amis, merci Daniel, merci. Un merci particulier à toi parce que tu m'as fait rencontrer deux personnes jusqu'ici. Déjà, deux personnes qui sont qui m'ont impacté vraiment positivement. Merci à toi. Merci à toi d'avoir été là. Et merci également pour le travail que toi-même tu fais. Merci. Merci à Sandra Joko. Merci à Olivia. Merci à Nina. Merci à toutes les personnes. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons avoir aussi quelqu'un de très inspirant, quelqu'un qui fait un travail exceptionnel également. Il s'agit de Monsieur Marc Mieleux, qui a Medic Afrique. Peut-être vous connaissez déjà Medic Afrique. Si c'est pas le cas, nous allons parler de long en large de ce programme. Il s'agit d'un système de soins santé en prépaid. Donc, les soins en santé en prépayé avec Medic Afrique. Nous allons en parler la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous, donc ne ratez pas cette émission. Entre-temps, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.